Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose une courte séance de pilates pour muscler le dos, une séance de pilates pour renforcer les muscles qui soutiennent la colonne vertébrale. On va renforcer les spinaux, ce sont les muscles qui maintiennent la colonne vertébrale donc à l'arrière. On va renforcer la sangle abdominale, on va travailler la posture et on va étirer également la chaîne postérieure ici dans cette séance. Si vous voulez éviter un jour d'avoir mal au dos, vous devez le renforcer maintenant. Et le pilate est incontestablement un allié de force pour lutter contre le mal de dos. En pratiquant régulièrement le pilate, vous aurez une meilleure posture au quotidien, un tronc et un bassin mieux équilibrés et une sangle abdominale renforcée. Et le petit plus, alors ça, c'est comme dans tous les sports, vous savez que le sport active des endorphines, ce qu'on appelle les hormones du bonheur, donc on va être plus zen, on sera plus détendu et donc moins stressé au quotidien. Avant d'attaquer cette séance, je me présente rapidement, je suis Fabien G, fondateur du programme 66 et de Roule sur la forme, ce sont des programmes de sport en vidéo pour s'entraîner à la maison. C'est parti, on attaque notre séance de renforcement du dos. Donc je vous invite bien sûr à faire cette séance avec moi. Vous avez besoin d'un tapis et ensuite d'une serviette. On plie un petit peu la serviette, on va la placer sur la partie haute de la tête. De cette façon, on garde bien le menton rentré. On y va, on attaque. Allez, c'est parti. Placez-vous sur le côté puis ensuite sur le dos. On fait un petit échauffement. Hop, les jambes fléchies, les pieds écartés, largeur des hanches, à une distance confortable des fesses. Tac. Vous pouvez placer les mains au niveau des hanches, je vous invite juste à basculer le bassin légèrement en avant et en arrière. On souffle, on rentre le ventre, on plaque le bas du dos et inspire, on relâche. On souffle, on rentre le ventre, on plaque légèrement le bas du dos au sol et inspire, on relâche. On souffle et inspire. Relâchez simplement. Une dernière fois, souffle et inspire. Parfait, on relâche. Les mains au niveau des côtes, on inspire par le nez, les côtes s'écartent. Et on expire par la bouche. On souffle, les côtes se resserrent. Inspire par le nez. Les côtes s'écartent. Et expire, souffle. Expirez par le fond de la gorge. Les côtes se resserrent. Une dernière fois. Expire. Souffle. Parfait. On inspire simplement. On amène les mains autour de la taille. On va imaginer une ceinture autour de la taille, on va la resserrer de 10 crans. On inspire, toujours latéralement. Et on souffle, on resserre notre ceinture de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Donc là, on a bien resserré la taille, on a une taille beaucoup plus fine. On inspire de nouveau. Gardez bien le menton rentré, allongez votre nuque. Et on expire, on souffle de 5, 4, 3, 2, 1. Et 1, là on a la taille resserrée de 5 crans, on inspire de nouveau, et on va la resserrer juste de 3, expire, 1, 2 et 3. Et là on garde la ceinture serrée 3 crans, donc on a notre creux lombaire, notre courbure naturelle au niveau du dos, ok. On a notre ceinture serrée 3 crans, vous allez engager le plancher pelvien, c'est le stop pipi, le stop gaz, hop, on le remonte vers l'intérieur jusqu'au nombril. Amenez les deux mains au-dessus des épaules. Toujours le menton rentré. On décolle les deux épaules, la tête. On amène les bras de part et d'autre des cuisses. On fait un petit mouvement, un battement de bras. Hop, de haut en bas. Les bras toniques. On inspire par le nez. Et on expire par la bouche. Encore. Donc, pendant que l'on fait ces mouvements de bras, l'objectif, c'est de stabiliser tout le reste du corps. C'est-à-dire d'éviter que le corps bouge dans tous les sens. Et pour ça, vous devez engager les muscles profonds. On inspire et on expire. Gardez bien la nuque longue. Si ça travaille un peu au niveau de la nuque, vous pouvez bien sûr reposer la tête. D'accord ? Sinon, on garde le menton assez entré, une petite pomme coincée entre le menton et la poitrine. Dernière fois, on garde toujours la ceinture serrée. Vérifiez que le plancher pelvien est toujours là. Expire. Parfait. Et on repose les deux épaules, les bras et la tête. Shoulder bridge, on souffle, on rentre le ventre, on plaque le bas du dos au sol. On va
monter le bassin, on décolle les fesses et on décolle le dos vertèbre par vertèbre. Tic, 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 tic. Gardez le plancher pelvien engagé. On inspire. On expire, on contrôle la descente. On repose le haut du dos, le milieu du dos, tout doucement le bas du dos. On déroule la colonne vertébrale. Clac. Et on retrouve le neutre. Encore, on souffle. Donc, rentrez d'abord le ventre. On avale le nombril. Hop, plancher pelvien engagé. On lève, vertèbre par vertèbre. On décolle le dos. On reste en haut, inspire. Expire. Tout doux, on redescend vertèbre par vertèbre. Tac, 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 tac. Clac. Et on retrouve le neutre. On se fait ça une dernière fois. On souffle, on avale le nombril. Hop. On rentre le ventre, on monte le bassin. Hop, on allonge, on pousse les genoux vers l'avant, on cherche l'autograndissement. Plancher pelvien, engagé, ceinture, expire, tac, 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 tout doux. Prenez votre temps, freinez, 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 freinez. Freinez bien la descente, parfait. On pivote sur le côté, on vient se mettre, on appuie sur les coudes. Tac, les coudes sous les épaules. Hop, on pose bien les mains au sol. On va juste décoller les fesses. Hop. Donc vous partez ici avec le bassin au sol, les jambes allongées, et on lève le bassin. On allonge la nuque, les épaules loin des oreilles. On inspire par le nez et on expire en faisant la buée sur une vitre. Au niveau des cuisses, on est plus ou moins en appui sur la partie basse ici de la cuisse. Ok ? Encore, on inspire par le nez, on reste fort. Donc en pilates, c'est toujours la qualité avant la quantité. Si à un moment donné, vous sentez qu'au niveau du dos, eh bien, ça devient trop dur, eh bien, vous reposez le bassin, d'accord, et puis vous reprenez. Ça marche ? Tac. Serrez la ceinture, trois crans, engagez le plancher pelvien. Un petit mouvement de jambe. On expire, on amène un talon sur la fesse, mais les orteils sont vers le bas. On donne un deuxième coup de talon vers la fesse, mais avec les orteils vers le haut. Hop, boum. On change de jambe, donc un les orteils vers le bas, hop, et un les orteils vers le haut. Ça fait. Insistez bien sur la respiration. Vous allez vraiment sentir l'engagement au niveau de la sangle abdominale et principalement au niveau du transverse. Pensez à bien garder l'engagement du plancher pelvien. Si au niveau des pieds c'est inversé, si vous faites pied en extension, pied flex, ce n'est pas grave. Dernière fois. Parfait. On repose. Le bassin, je vous invite à écarter les bras sur les côtés, ce qu'on appelle la pose du cactus. Les coudes écartés au niveau des épaules, les mains, hop, sur la même ligne que les coudes, bout du nez au sol. Vous allez rentrer le ventre, hop. En rentrant le ventre, vous placez une petite bulle d'air entre le nombril et le tapis. Donc on garde le ventre rentré, bout du nez au sol, hop, parfait. On a engagé notre sangle abdominale, on engage le plancher pelvien. On expire, on décolle le haut du corps, on décolle les bras. Vérifiez qu'on a toujours la petite bulle d'air sous le nombril et les jambes lourdes. On expire, on allonge les bras. Tac. On inspire, on vient tirer les coudes vers l'arrière. On allonge la nuque et on repose le tout. Expire, on décolle le buste, la tête, les bras. Inspire, on allonge les bras. Expire, on tire les coudes vers l'arrière. Vérifiez que la bulle d'air est toujours là. Et inspire, on repose le tout. Expire, on lève. Inspire, on allonge les bras. La nuque ne bouge pas. Gardez le bout du nez au sol. Tirez les coudes vers l'arrière. Contractez les dorsaux. Hop, et on repose le tout. Une dernière fois. Expire, on lève. Inspire, on allonge. Vérifiez qu'il y a la bulle d'air. Hop, les jambes lourdes. On tire les coudes vers l'arrière. Et on repose le tout. Parfait. Amenez les mains, les deux mains l'une au-dessus de l'autre et posez votre front sur les mains. On garde le ventre rentré, hop, donc toujours la petite bulle d'air entre le nombril et le tapis. On expire, on décolle la jambe droite du sol, inspire, on repose. Expire, on décolle la jambe gauche, inspire, on repose. Expire, on décolle une jambe, inspire, on repose. Tranquillement, la jambe est tonique. Votre seul focus, c'est de vous concentrer sur la petite bulle d'air que l'on a placée entre le nombril et le tapis. Expire, on lève. Hop. On engage le plancher pelvien, les fesses sont un peu engagées. Souffle.
et on lève. On décolle bien la cuisse du sol. Jambes tendues, donc décollez bien le genou, la cuisse. C'est ça. Dernière fois, encore droite et gauche. C'est ça. Gardez bien la petite bulle d'air. Parfait. On repose. Les mains à côté de la poitrine, on repousse le sol, on se redresse, on amène les fesses sur les talons. Pose de l'enfant, on souffle. On revient à quatre pattes. Tac, ici, ne bougez pas la position des mains. Donc, on était dans la position de l'enfant. On se redresse simplement et là, on fait un dos rond. Hop, on pousse le dos vers le haut, on souffle, vous pouvez même vous mettre sur le bout des doigts pour accentuer bien ici l'étirement. Parfait. Et on se redresse. Alors ici, on vient se mettre sur les genoux pour, si vous voulez que ce soit plus confortable, ça va dépendre de votre tapis. Vous pouvez très bien placer votre serviette et poser les genoux sur votre serviette. Ok. On serre notre ceinture, trois crans. On engage le plancher pelvien, c'est le stop pipi, le stop gas. Hop, on remonte ce plancher pelvien comme un ascenseur en direction du nombril. On engage les fessiers, les épaules basses, inspire, on allonge les bras devant. On va se pencher un peu vers l'arrière, on vient simplement donner un petit coup de coude. Hop, et on revient. Même chose de l'autre côté, expire, et inspire, on revient. Un petit coup de coude, on souffle, hop, boum, et inspire, on revient. Un petit coup de coude, on souffle. Inspire, on revient. Encore. Gardez les épaules basses, souffle. Inspire, on revient. Regardez votre coude. On suit le coup du regard. On pique. Inspire, on revient. Ça va engager les quadriceps. Pensez à garder les fesses serrées. Pensez à garder votre engagement du plancher pelvien et votre ceinture. Et on reste gainé, genoux, hanches, épaules. Il n'y a pas de cassure au niveau du bassin. Dernière fois. Expire. Parfait. On relâche les bras. On vient, vous pouvez replacer ici votre serviette devant. À quatre pattes, on retrousse les orteils. On va lever les fesses vers le haut. On monte sur la pointe de pied. Marche de canard. Tic, 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 tic. On amène les mains vers les orteils. On pose les talons au sol. D'accord. Tac, on garde le ventre rentré. Hop, on garde le nombril aspiré et tout doucement on se redresse lentement. On rentre le ventre, le menton vers la poitrine, on enroule les épaules tout doucement. On descend le bout des doigts vers le sol. Gardez le ventre aspiré et le dos tiré vers le haut. Arrivé en bas, on pose les mains au sol, on marche vers l'avant. On vient bien en planche, une belle planche. On allonge la nuque, les épaules loin des oreilles. On repousse les fesses vers le haut. Hop, on monte sur la pointe de pied, on amène les mains vers les orteils. Une fois qu'on a les mains près des orteils, on pose les talons, on embrasse ses genoux, on rentre le ventre tout de suite. Et dès qu'on se redresse, hop, comme une fermeture éclair. On fait ça encore une fois, on souffle, on rentre le ventre tranquillement. On descend, on a les bras lourds, hop, on marche vers l'avant, tac, une belle planche, les épaules loin des oreilles, hop, on se grandit, on serre la ceinture, hop, on pousse les fesses vers le haut, on marche, on amène les mains vers les orteils, on pose les talons, gardez bien le ventre rentré, et on redresse. Allez, on fait juste la descente. Rentrez le ventre, les épaules, le menton vers la poitrine. Hop. On descend, mais on tire le dos toujours vers le plafond. Relâchez bien vos bras. On fléchit les jambes, on pose les mains au sol et on marche vers l'avant. Parfait. On pose les genoux au sol. On vient se replacer, on appuie sur les coudes. Donc, vous pouvez allonger ici votre bassin en position de départ, c'est ce que je vous propose. Placez bien les coudes sous les épaules, ok? Et on lève le bassin. On allonge la nuque, les épaules loin des oreilles. On serre la ceinture trois crans et le plancher pelvien. Notre combinaison au niveau des jambes. Un talon fesse, orteil vers le bas. Un deuxième talon fesse, orteil vers le haut. D'accord? On essaye à chaque fois de venir taper le talon, hop, sur la fesse. Ah, 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 ah.
Encore. Et allez-y, hein, faites-le. Insistez bien vraiment avec l'expiration. Vous allez vraiment sentir l'engagement du transverse. Hop, cette gaine ici, au niveau de la sangle abdominale. Donc, expirez à chaque fois, hein, vraiment fortement. Vous allez vraiment sentir le travail. Souffle, souffle. Dernière fois, droite et gauche. Fort toujours au niveau des coudes. Parfait. On repose le bassin. Vous allez venir placer les mains ici à côté de la poitrine. Les coudes orientés vers le plafond. Les épaules loin des oreilles. La nuque longue. Hop. On rentre le ventre. D'accord. Toujours, on place notre petite bulle d'air entre le nombril et le tapis. On va expirer, on décolle le buste, mais sans prendre appui sur les mains. Tac, on garde les épaules basses. On inspire, on décolle les mains du sol. Sur l'expiration, on repose les mains et on monte un peu plus haut, là ici. Et on contrôle la descente. On expire, on décolle le buste sans prendre appui sur les mains. Tac, hop, on engage juste les muscles du dos. Pousser le sommet de la tête vers le haut. Vers l'avant, plutôt, pardon. On décolle les mains. Là, on engage les muscles entre les omoplates au milieu du dos. On repose les mains. Là, on prend appui pour monter un peu plus haut. Mais on garde le centre du corps engagé et les épaules loin des oreilles. Et on contrôle la descente. Expire, on décolle le buste sans prendre appui sur les mains. Inspire, on décolle les mains. On repose les mains, on monte un peu plus haut. Et on contrôle la descente. Dernière fois, on décolle le buste sans prendre appui sur les mains. On décolle les mains du sol. On repose, on monte un peu plus haut. Les épaules loin des oreilles. Et on contrôle la descente. On garde le bout du nez au sol. On allonge les bras le long du corps, paume de main vers le haut. Mais les bras ne touchent pas le sol, ni les épaules, ni les mains. Bout du nez au sol. On expire, on décolle jambe droite. Inspire, on repose. Expire, on décolle, jambe gauche. Inspire, on repose. Gardez la nuque longue. Expire, on décolle une jambe. Inspire, on repose. Vérifiez bien que la bulle d'air entre le nombril et le tapis est toujours là. Ensuite, vous allez vérifier que le bassin ne tangue pas à droite et à gauche. Hop. On reste stable dans le mouvement. Expire, inspire. Expire, on lève. Inspire, on repose. Souffle. Souffle. Hop. Allongez bien les bras. Dernière fois, droite et gauche. Souffle. Souffle. Parfait. Amenez les mains à côté de la poitrine. On repousse le sol. On amène les fesses sur les talons. La pose de l'enfant. Gardez les mains exactement là où elles sont. On se redresse, on fait le dos rond, on souffle, on pousse bien le dos vers le haut. Hop, le regard au nombril. Parfait. On se redresse, on termine notre dernier exercice. Notre dernier, c'est pas notre dernier exercice. On va en rajouter un petit dernier juste derrière. Donc, c'est l'avant-dernier. Genoux, hanches, épaules alignées. Ceinture serrée, on engage, hop, le plancher pelvien, on allonge les bras devant, on reste gainé. Vérifiez les fesses, tonique, hop, la sangle abdominale, tonique également. On remonte le plancher pelvien, le périnée. On expire, on tire un coude vers l'arrière, tac, on se penche, et inspire, on revient. Expire, et inspire, on revient. Le regard au niveau du coude, on pique, hop, on donne un bon coup de coude, et on revient. Choisissez bien sûr l'inclinaison, hein. En fonction eh bien, de votre force et en fonction eh bien, du maintien du gainage, sans casser au niveau des hanches. Expire, on pique, inspire, on revient. Dernière fois, droite et gauche, souffle, hop, et on souffle. Parfait. On relâche, venez vous mettre assis. On allonge les jambes, pieds flex, donc tirez les orteils vers vous, un petit travail de posture pour terminer. Donc tirez les orteils bien vers vous. Hop. Ça va étirer déjà eh bien, l'arrière des jambes. Ensuite, on va soulever la poitrine. Soulevez le sternum ici. Vous attrapez votre t-shirt et on le soulève. Et là, on étire hein, déjà toute la chaîne postérieure.
On allonge les bras sur les côtés, on coince un petit crayon entre les omoplates, poitrine haute. Vérifiez, les orteils tirés vers vous, le t-shirt, la poitrine soulevée. On twiste sur le côté, inspire, on revient. On twiste de l'autre côté, et inspire, on revient. Encore, expire, et inspire, on revient. On souffle, et inspire, on revient. Gardez la poitrine haute, tout le temps. Gardez bien les deux mains à l'opposé, toujours l'une de l'autre. Hop, le sternum soulevé, pied flex, tirez les orteils vers vous, gardez les épaules basses. Imaginez, poussez un livre sur votre tête, donc cherchez l'autograndissement. Dernière fois, on souffle. Parfait, gardez les pieds flex, allongez les bras devant. On souffle, on vient allonger le bout des doigts loin vers l'avant. Poussez votre dos contre un mur imaginaire, donc poussez le mur avec votre dos. On inspire, on allonge un peu plus encore, on pousse le dos contre le mur, on allonge le bout des doigts vers l'avant. Et tout doucement, tac, expire, on redresse. On inspire, on allonge. Pied flex. Expire, on pousse le dos contre le mur, on allonge le bout des doigts. Et inspire, on remonte. Une dernière fois, on souffle. Inspire, on accentue la pose, pousse le dos vers l'arrière, allonge le bout des doigts bien vers l'avant. Allez, allez, allez. Et on redresse. Hop. Parfait. Et on relâche. Très très bon travail. Venez vous mettre en tailleur. Les mains sur les genoux. On inspire, on monte les épaules vers le haut. Et on les relâche. Souffle. Une dernière fois, inspire. Et on les relâche. Souffle. Parfait. Très très bon travail. Eh bien, donnez-moi un petit peu votre retour par rapport à cette séance, par rapport aux exercices. Comment vous sentez? Déjà là, on sent qu'on a un dos beaucoup plus fort. On a vraiment un bon travail, de bonnes sensations au niveau de la sangle abdominale. Hop, vous allez être bien beaucoup plus actif. Vous allez voir dans la journée, vous allez vraiment bouger beaucoup mieux. Plus vous allez renforcer votre centre du corps, plus vous allez vous renforcer, plus vous allez faire du sport. Eh bien, plus vous allez améliorer votre qualité de vie. C'est ce que je dis toujours. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de cette séance. Donnez-moi votre retour. Si vous avez aimé cette séance, n'hésitez pas à me donner un petit pouce en l'air et bien sûr à partager. Je vous invite au passage à découvrir mes programmes. Vous avez le programme Pilates, il y a un niveau 1, un niveau 2. Et puis vous avez également le programme Dos en forme qui contient et qui comprend également du Pilates. On a du renforcement musculaire et puis également beaucoup de travail de mobilité. Donc c'est vraiment une synergie de différents entraînements pour avoir un dos en pleine forme et éviter d'un jour d'avoir mal au dos. Vous avez le lien de ces programmes juste ci-dessous. Donc voilà, moi en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine séance d'entraînement. C'était Fabien G, des programmes de sport en vidéo. Allez, ciao, ciao.